Bonjour, Miss Bachère. Bonjour à tous. On va voir maintenant un cas pratique concernant l'imposition des revenus salariaux et assimilés. Ce TP comporte deux exercices. Premier exercice à traiter, voilà, nous lisons ensemble. Monsieur Kantawi est un fonctionnaire dans un établissement de crédit. Il est marié et père de trois enfants en moins de 27 ans. Au titre de l'année 2020, les éléments de son salaire sont les suivants. Salaire de base, c'est 36 000 dirhams. Prime d'assiette, c'est 9 400. Indemnité de déplacement justifiée, c'est 15 800. Prime de responsabilité, c'est 12 600. Indemnité de logement, c'est un avantage, 16 800. Au cours de 2020, Monsieur Kantawi a dégagé les dépenses suivantes. Assurance mensuelle de retraite, c'est 450. Mensualité d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un logement de 150 mètres au carré, c'est donc 800 dirhams d'intérêt. Travail à faire, calculer le revenu net imposable de M. Kantawi et déterminer l'IRU par M. Kantawi au titre de l'année 2020. Voilà. On va faire réponse, on va répondre, on va faire la correction de cet exercice ensemble. Première question à traiter, comme vous le savez, calcul du revenu net imposable de Monsieur Kataoui. Voilà, première étape, comme vous le savez dans le cours. Détermination du salaire brut global. Et vous le savez dans la diffusion, salaire brut global est égal au salaire de base. Supplémentaire plus prime indemnité plus avantage. Voilà la définition. On va liser l'exercice deuxième fois. Les un salaire de base de chez un élève, ainsi que les primes d'assurance tête salaire pour Mamia. Ainsi que les indemnités de placement justifiées 4 800, ainsi que les primes de responsabilité 2 600, ainsi que les primes de logement 18 000. Un tableau se construit. Un élément d'un montant.
première qui est le salaire de base. Deuxièmement, il y a prime. Prime. Troisième, indemnité. De déplacement. Justifié. Déplacement justifié. Prime de responsabilité. Prime de responsabilité. Indemnité de logement. Indemnité de logement. Pour obtenir le salaire brut global. Je fais la sommation, peut-être je pose un numéro. Salaire de base. Vous êtes une élève. Salaire. Vous êtes bien. Indemnité de déplacement justifiée 15 800. Prime de responsabilité 12 600. Indemnité de logement. Voilà, on fait la totalisation. 36 000 plus 9 400 plus 15 800 plus 12 600 plus 16 800. Nous obtenons 90 600. Maintenant, deuxième étape. Détermination salaire brut imposable. C'est un salaire d'après définition imposable, nous donc est égal salaire brut global moins élément exonéré. Avec un tableau. Déjà, nous obtenons éléments. Montant. Salaire brut global. Moins. Il y a un, d'après les données, indemnité
L'unité de déplacement 15 800 chemin obtenu, salaire brut imposable. Et bien, maintenant, la différence, nous obtenons 74 800. Maintenant, on va entamer la troisième étape. Détermination du salaire imposable. Et un salaire net imposable est égal salaire brut imposable moins sous-salaire. D'après le cours, un élément un calcul un montant un plafond. Je vous permets le mot salaire brut imposable. Je vous mon temps, on va faire une tournée de l'info. Je vous ferai professionnel. Et professionnel. J'ai beau salaire brut imposable, morceau des avantages. Les avantages, elle n'a pas soutenu bien, on doit gérer. Ah, je fais une routine bien, n'a pas. On t'envoie voilà. Maintenant, je vous la Caisse nationale de sécurité sociale. Je vous l'âge 20 millions. On doit voir, je ne vais pas faire 7 millions de paix. Je vous le dis, ce que je vous dois. Je vous le dis.
3359 فاصله 04، ولكن الماكسيموم ديالها في العام قلناها في الكود 3225 فاصله 6. Maintenant, chauffons l'amont. Et puis, la plafond. Là, on doit voir. Rochelle, bien. Chauffons chargette. Elle faut se mettre 5. عطينا وقيل السينير ربعمية وخمسين في 12 1512 كتجي 5400، ولكن كاين البلافون ديالاش خمسين في المية، خمسين في المية دو سالير بريد امبوزابل. إذن 74800 ضرب 50% كتجي 37400. نشوفو واش كاين لي زانتيري. وي كاينه، إذا لي زانتيري ماشي لوجمون ايكونومي، كناخدو اي لي زانتيري ولكن مونسيال 800 في 12. إذا انتيري اي زامبران كاين لي سنتيري ديال ليزامبل، عندنا 812 لف 600، و ناخدو 10% من السالاي بلوت امبوزا، ماشي 50%، إذا كتجي 74800 في 10% كتساوي 7480. Nous obtenons salaire net imposable. Et donc, nous avons 4800 ناقص 11600 ناقص 3225.6 ناقص 5400 ناقص 7480 كتساوي 45403 فاصله 92. Maintenant, on va entamer petit 2. Calcul. Le lien du monsieur Kantawi au titre de l'année, c'est une quatrième étape. Détermination de brut. Et un lien brut, d'après définition, est égal salaire net imposable en dehors du taux en axomna
Sommes à Dieu. Elle nous donne et là je lui détermination de l'INE. Passez là, je vous laisse. Chaque famille, je vous laisse. C'est là ce que je dis. Non. Et un hadith d'hier. Voilà, on a terminé pour terminé pour l'exercice 1. J'entends maintenant l'exercice 7, l'exercice 2. Monsieur Faragi.
Fassi est ingénieur. Il est marié et père d'un enfant au moins de 27 ans. Au titre de l'exécutif, les éléments de son salaire sont les suivants. Salaire de base, 500 élèves, prime d'assistance gestionnaire, indemnité de déplacement justifiée sur tâche fonctionnaire, indemnité du technicien chef ANIA, tâche à l'élève, avantage en numéraire. Au cours de l'année, je ne sais pas, à dégager les dépenses, assurance sur le test sérieux du salaire du imposable, remboursement d'emprunt, dont stage de miroir d'intérêt pour l'acquisition en valeur 37 millions de dirhams. On va calculer le revenu né à mon comparage et à calculer l'IRTU. Et donc voilà, je vous laisse pour réfléchir de cet exercice, c'est la même, faites un effort, prenez un feu et entamez le.
Et donc, j'entends maintenant la correction de cet exercice. Et donc, je prépare la même chose, réponse. Premier mot. On va calculer. Revenu n'est imposable, c'est une première étape. Première étape, détermination du salaire brut global. Salaire brut global. Et un salaire brut global est égal salaire de base plus avantage. Je trace un tableau. Une touche déjà en bas, comme ça. Ça. C'est un élément. Après, on dit montant. Le salaire global, c'est une présentation technique. Passe au prime. Voilà. Continuité du déplacement. Continuité du déplacement. Justifier. Indemnité de déplacement justifiée ou indemnité de technicité. Indemnité de technicité. Prime de rendement. Avantage en numérique. Voilà. On voit les chiffres qui sont une unité de déplacement.
18 500 18 18 500 18 1000 compris de rendement 18 secrétaire. Maintenant, salaire brut global, fait la sommation. Voilà, on a terminé pour la première étape. Deuxième étape. Détermination. Détermination du salaire imposable. Et un salaire brut imposable, d'après la définition, je la donne plus haut, mais je commence une deuxième, c'est le salaire brut global moins élément honoraire. Éléments exonérés. Témin Kenya, ouais, Kenya. Voir indemnité de déplacement justifiée. Éléments. Montant, et un salaire brut global, ou indemnité de déplacement, justifié on a salaire non et là salaire brut imposable et un salaire brut global on a plus haut et non métier nous stage au 500 ou indemnité de déplacement justifié. Il y a 30 comme signe. J'ai fait la différence. Il y a 8 500 000. D'abord, on va entamer la troisième étape, c'est la détermination de salaire net imposable. Troisième étape, c'est détermination. Salaire net imposable. Le salaire net imposable est égal
Salaire brut imposable moins déduction. Déduction sur salaire. Sur salaire. إذن إذن ici élément calcul montant plafond. Et un salaire brut imposable, on jette le montant MIA 5L. Et un impôt professionnel, on dira MIA 5L. Les avantages sur les élèves. ولكن احنا عندنا بلافون في القانون 30,000 لام. نشوفو لا كيس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال 98,000. تبوها فرقها فصيلة فرقها 80%. جي 8,870 8,870 فصيلة 40. نشوفو 3,225 فصيلة 6. نشوفو لامون اللي مفيهاش البلافون. لامون 198,000 نضربوها جوج فصيلة 29%. شحال عطاتنا؟ 4,447 فاصلة 4,447. إذن فيش البلافون قلنا. تبع نشوفو شوفو إذا كاين السينا كده 6% دو سالاي بروت امبوزا 6%. إذن سيمير تنحسبوها بدا سيمير 198% تلقى 6%. 198% 11,880. ولكن حنا عندنا 50% دو سالاي بروت امبوزابل. 1,855 في جي الماكسيمون ديالها إذا هما 99,000. نشوفو واش كاين لي زانتيغي.
un repoussement d'un marché économique et d'un non économique et d'un canard de l'intérêt et un avion stachera le plus parmi en travail d'un logement économique. Maintenant, on va calculer maintenant salaire net imposable. Ça couvre la différence. Et de mieux, tu notes un élève, ma casse les élèves, ma casse les élèves, tu notes un élève, 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 tu notes un maintenant, on voit en parmi les quatre étapes, c'est la détermination du lien de l'eau. La détermination de l'air brut, est égal salaire net imposable multiplié par taux d'AS sont à déduire. On a l'air brut est égal maintenant, j'entame étape. Détermination hier né la détermination de l'hier et d'un jeton de la définition hier né
Léa Grut. Léa Grut, moi. Chat, déduction sur impôt. Et un élément. Les brutes. Et là, ça va être une aile pour 500 milliards. C'est là, 0, 100. Charge de famille et les charges. Quand tu as eu le cas de ce machin, Et maintenant, je termine ces exercices. Je vous rappelle que le calcul de l'IRNE salarial passe par cinq étapes. Première étape, c'est la détermination du salaire brut global qui est égal au salaire de base plus un supplémentaire plus prime plus indemnité plus avantage. Deuxième étape, c'est la détermination du salaire brut imposable qui est égal au salaire brut global moins élément exonéré. Troisième étape, c'est la salaire net imposable qui est égal au salaire brut imposable en déduction sur salaire. Quatrième étape, c'est la détermination de l'IR brut qui est l'IR brut qui est intégral salaire net imposable multiplié par temps multiplié par somme à déduire. Enfin, cinquième étape, détermination de l'IR net. L'IR net est égal à l'IR brut moins déduction sur impôt. Merci pour votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser la question.